Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 16e épisode de notre Let's Play sur Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4. Salut, bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes sur Zepho dans le site de fouille impériale que nous avions atteint après un immense détour autour du site du crash du vaisseau dont j'ai complètement zappé le nom. Et on a affronté un boss subsidiaire, c'était un combat pas si difficile que ça au final, et on est passé pas mal de fois à pas grand chose du game over. Mais aujourd'hui, on est là pour explorer justement le site de fouille de l'Empire et atteindre cette chose-là qui a l'air d'être encore un niveau plus bas, ou peut-être vraiment au plus profond du truc. En tout cas, une chose est sûre, mesdames et messieurs les gens, c'est qu'on va fouiller aujourd'hui. On va fouiller, on va explorer, on va looter. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me signaler le moment épique et les failles avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, les hashtags fail et fail plus sur mon état que je rajoute à la compile. Et aussi, à partir de demain, on aura un épisode de Fallen Order tous les jours, puisque Crash Bandicoot 4, le final a été diffusé aujourd'hui, il a été diffusé un peu plus tôt à 16h. Donc là maintenant, à partir de demain, on passe à un épisode par jour du lundi au vendredi à 16h. Il y a les rediffusions de stream qui auront lieu s'il y en a, et avec l'objectif de finir le jeu d'ici au 20 novembre. Alors si je ne dis pas de bêtises, là on devrait être le 4 novembre au moment de la diffusion de cet épisode. Ça veut dire qu'après ça, il me reste 12 épisodes pour finir le jeu. Autant dire qu'à ce rythme-là, le 100%, on va peut-être oublier, malheureusement. Mais bon. Alors, on doit aller par ici. Bah, ouais, vas-y, surcharge. Ah, c'est intéressant. Eh ben, let's go. Allons-y, BD. Alors après, je dis toujours qu'on peut, oublier le 100%, mais ça va pas m'empêcher de fouiller un maximum. Attends. Il y a un truc sur la droite. Ah bah oui, c'est pour remonter. Non, c'est pour remonter. Attends. Ça fait quoi si je surcharge? Ah, c'était celui-là, ok. Très bien. Et bah, let's rock'n'roll. Le titre de ta sextape. Je t'ai vu sur le stand de tir hier, t'étais lamentable. Ouais, titre de ta sextape. Oh putain. Deux droïdes de sécurité et un Stormtrooper Gatling. La fuite est sanctionnée. Ouais, c'est ça. J'adore l'autre qui attend patiemment son tour en mode Assassin's Creed. Merde, j'ai plus de force. Ouais, bavard de force vide. L'intrus esquive les assauts. Bah ouais. Par contre, j'ai l'impression que le droïde, c'est un droïde syndiqué, hein. C'est genre, il attend que son pote fasse le boulot. Attends. Ah, le petit combo retardé là qui fait zizir. Humain sans intérêt. Ouais, petit Dota Sex Tape encore une fois. Boum! Putain, comment c'est devenu des petites bites les droïdes de sécurité? Autant les premiers ils me faisaient un peu peur, autant celui-là c'est devenu des petites bites. On a eu le Gatling Trooper là? Attends. C'est un établi. Vas-y, je le prends. Ça te tente? Oh ouais! Ce moteur devrait faire l'affaire. Attends, du coup ça veut dire qu'on peut prendre les cordes dans les deux sens maintenant? Bah du coup ça veut dire que le secret sur Kashyyyk, qu'on peut aller le récupérer. Regardez comme il est content. Nous avons obtenu la tyrolienne mécanique. On doit pouvoir atteindre le tombeau. Et regardez ce qu'il y a là derrière. Utiliser les tyroliennes dans les deux sens. Ouais. Ça c'est bien. C'était. Ah ouais, je comprends pourquoi c'était aussi bien gardé du coup. Donc maintenant ça veut dire que la tyrolienne qui est là. Attends. Je peux la prendre? Oui. Alors, par contre, il y a une tâche sur le stabilière, bah, pistache, du coup. Ouais, vas-y, ça fait quoi? Je peux te prendre un peu d'énergie. Ah oui, mais non, en fait, ça va pas le faire, photo. Oh, c'est bon, j'ai des steam. Niveau de l'XP, ouais, non, ça sert pas à grand-chose de se reposer ici pour l'instant. Ah, mais ça, franchement, c'est très intéressant comme upgrade. Très, très intéressant. Bah j'aime toujours les options qui rajoutent de la mobilité. Toujours. Bon, là, du coup, je fais un truc comme ça. Oui! Est-ce que je peux tenter un truc stylé?
Salut. Ça, c'est un coup dur. Il suffit de trouver une ouverture. Attends. Si on perd, c'est parce qu'il a neutralisé l'artillerie lourde. Oh, si vous perdez, c'est parce que vous êtes des gros caca aussi, hein. Je suis dernier. Ouais. Boum. Comment vous êtes trop des gros boulets. Alors. Y'a rien par ici, mais ça va pas m'empêcher d'aller vérifier. Je suppose que je peux pas appeler l'ascenseur. L'ascenseur est... Ok, c'est comme dans le truc impérial. Ok, je vois. Attends. Il y a maintenant d'aller récupérer un truc si je prends la tyrolienne là. Je vais voir. Ah non, c'est juste un chemin de retour. Ok. Je pensais qu'il y avait un truc sur la plateforme au milieu. Mais on dirait... Attendez, en vrai, les gens, on est d'accord qu'on dirait qu'il y a un truc au milieu. En vrai, on dirait qu'il y a un... Ah, peut-être pas. Ouais, je vais faire comme s'il n'y avait rien. J'ai un doute, quand même. Je retente une fois en espérant pouvoir m'arrêter entre les deux. Ouais, non. Tu le chopes automatiquement, y'a rien. Ok, très bien. Allez, ne traîne pas. Là au moins j'en suis sûr certain, c'est bon hein. Je veux dire, la sécurité c'est important. S'assurer de ne rien louper c'est bien aussi, bon. Alors qu'il y a quelques minutes je disais, ouais mais le 100%, j'aurais pas le temps de le faire. Blablabla, bla, bla, bla. Oh regardez un truc là, un écho de force. Alors là, déjà, je peux utiliser une petite poussée des familles. Quoi, c'est un droïde sonde ? Voilà ! Ben, amène-toi. Boum. BD ? Tu veux faire quelque chose ? Alors, attends. Je ressens l'écho, mon petit. Raccourci débloqué, excellent. Je crois qu'il est la personne gardien du tombeau. Dans leur recherche d'artefacts Zepho, ces Stormtroopers ont fait l'inattendue et mortelle découverte d'un gardien de tombeau. Ben rip in pepperoni, hein. C'était génial, BD. Je suis d'accord. Quelque chose. Je te vois, Jedi. Salut. Vous êtes nouveau, vous. Putain, c'est un roublard. Je ne flancherai pas. Abandonne, traître. À l'aide, BD. Tu pourras pas tout éviter. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. En fait, non, c'est pas un roublard, c'est un rôdeur à deux armes. Ça fait penser que j'ai lancé un scénar de jeu de rôle où j'en ai un comme ça. Enfin, j'en ai un. Techniquement, c'est des armes naturelles qu'il utilise. Parce qu'il a pris une race qui a accès à des armes naturelles. Donc forcément, enfin, il, elle. Mais forcément, c'était... On va dire que ça me rappelle le jeu de rôle. Mais c'est des moments toujours très rigolos. Bah, je dis ça... Attends. C'est un purge trooper ? Bah, vas-y, surcharge. Ah non, merde. Pardon. Interromps la charge. Autant pour moi. Allez, viens. Je pensais qu'on pouvait scanner le monsieur, mais apparemment pas. Merci, BD. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant par ici ? Regardez ces fameux trucs que j'ai eu. Attends, si je fais un truc comme ça. Et on récupère un nouvel écho de force dans une boîte à outils. Une boîte à outils. Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Oh, ça rime, la mixtape, elle arrive bientôt. Mesure destructive. Des outils laissés par un ouvrier pressé de localiser les reliques Zepho sans se soucier de ce qui l'entourait. Ok. Donc là, on en est à quand même 50% d'exploration du site de fouille impériale. Très bien. En dessous. Je vais supposer que ce qu'on a vu là-bas, ça servira pour le retour. Je suis en train de me dire, c'est généralement dans les tombeaux qu'on récupère de nouvelles capacités. Vous pensez qu'on va avoir un... Oh, une nouvelle capacité de la force. Attends. Bien par là, parce que là, je vois un écho de force, on va aller le récupérer avant d'oublier. Je peux accéder à ce truc-là en courant sur le mur ?
des efforts. On y arrivera, officier Crane. Découverte de reliques. Une caisse de transport renforcée utilisée pour des artefacts trouvés dans le tombeau. Celle-ci a été utilisée par un ouvrier sous pression. Et au niveau des fouilles de l'Empire, on est pas mal. Hein. Il nous manque le 3, le 5, le 7, le 8. Il nous manque 3, 5, 7, 8 et on a reconstitué toute l'histoire. C'est bien ça. Je crois pas que... Je vais essayer, mais je pense pas que je puisse passer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça avait pas la... Il y avait pas cette texture-là qui disait qu'on pouvait le faire. Là-bas ? Attends, on doit pouvoir s'accrocher. Ouais, ça avait l'air une surface naturelle. Mais du coup, attends, c'est un point de méditation là-bas. Ça veut dire qu'avec nos deux points de skill, là, on peut se débloquer un nouveau truc. Ok, juste quand même regarder dans les environs, s'il n'y a pas un petit truc qui nous attend. Non, le coin a l'air vraiment bien safe. Quoique, attends, cette porte-là ? Un ascenseur. Attends, un ascenseur ? Ok, c'est un ascenseur qui va à notre objectif. Un ascenseur qui va vers notre objectif. Donc on fait pas les cons et on prend le point de méditation. Ici ? Attends, il y avait un truc là. J'avais repéré un truc. Ah d'accord, c'est le point de méditation. Alors, donc nous avons deux points de skill. Et on a accès à deux compétences, il me semble. Donc on a accès... Attends. On a accès au repoussement, au ralentissement étendu. Alors ralentissement étendu, ça peut être bien. Ouais, allez, ralentissement étendu, je me pose même pas la question. Parce que bon, pouvoir ralentir plein d'ennemis à la fois... Pouvoir prendre l'ascendant sur eux, je vais pas dire non. Ça veut dire que les deux prochains points de skill, si on n'a pas de nouvelles compétences entre temps, ce sera le repoussement avec croix et carré. Et tant que j'y suis, autant se remettre à fond. Mais, alors il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'il y avait un passage par là-bas. J'ai envie d'aller jeter un œil si je peux. Genre si je passe par... Ah non, c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Ok, c'est bon, pas de soucis. Donc du coup, on va aller prendre cet ascenseur là qui mène directement vers notre objectif. On a combien là ? Ah, il va y avoir une cinématique, je pense. Oh, bonjour ! Cal Kestis. Comme c'est prévisible. On va devoir affronter un boss. Ah oui, je connais ton nom. Ton passé. Je comprends pourquoi ils nous ont mis un checkpoint. Mais je connais surtout... un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché dans ton cul ? Incroyable. Ok. Combat de boss contre un site. Ah oui, c'est vrai, rouge, on ne part pas. Ok. Arrête de bouger. Toi aussi. Tu auras été un échec jusqu'au bout. Je peux te ralentir. Ah merde, c'est rouge, on ne part pas. Ok. En fait, je pense que je vais surtout me contenter d'esquiver. En mettant un petit peu. Essayer de mettre un coup de temps en temps, mais je pense que quand elle a son attaque où elle plante le sabre dans le sol, là je peux la bourrer. Et encore, quand je dis bourrer, c'est genre mettre 2-3 coups. Hop, on esquive. Ok, on se concentre. Toujours un temps de retard. Quitte de ta sextape. Non. D'accord. Moi je m'échauffe, hein, je fais des pas chassés. Pathétique. Vas-y, attaque-moi. Lopette. Ton heure a bientôt fini. Tu ne pourras pas toujours fuir. Steam. Ok, bref, un steam pour le combat, je vais enlever genre un tiers de sa vie. Allez, viens. De toute façon, là, ce genre de combat, je le joue façon Dark Souls. C'est-à-dire, je tourne autour de l'adversaire, et dès que je pense avoir une ouverture, je frappe. «
C'est vrai, elle était rouge. Je te détruirai comme les autres. Pense un steam. Vas-y, viens. Ok, pas mettre plus de deux coups à chaque fois. Allez, viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Arrête de bouger. Toi aussi, arrête de bouger, là, tu ne facilites pas la tâche, bitch. J'ai plus de steam. Ah, mais là, elle m'enchaîne, la salope. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis censé perdre? Oh putain, BD, t'assure! Oh BD, t'assure! Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? C'est son ancien apprenti. Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit... Vous êtes qui, madame? Elle m'a abandonné. L'ancienne padawan, d'accord. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi? Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Comme tout le monde. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la force. Oh. Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron? Qu'en penserait Jaro Tapal? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Je me demande, que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui? Rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une mais prenez une chambre, bah c'est vous, c'est bon là. Pauvre disciple docile. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Plusieurs entrées. La padawan de Serré. La deuxième sœur se révéla être l'ancienne padawan de Serré, Trilla. Trilla, apparemment, que Serré trahit sous la torture impériale. Trilla fut ensuite trouvée par l'Empire et convertie en inquisitrice. Alors ça, c'est du plot twist, les enfants, hein. Plusieurs entrées. Vous m'avez mis plusieurs... Attends. Personnage. La deuxième sœur. Non. Vous m'avez mis plusieurs entrées, les pimpons, hein. Mais n'empêche, je voudrais pas dire... Arriver à faire ce combat comme ça en reprenant le jeu il y a peu de temps, du premier coup, c'est pas mal. Donc finalement, on n'a pas trop mal géré la chose. Je peux pas dire qu'on l'a bien géré, mais on l'a géré suffisamment bien pour ne pas faire game over dans un combat de boss important. Qui aurait quand même été assez lourd de révélation, mine de rien. Parce que là, c'est... Attends, on est combien de pourcents de ces défauts? 63%, ouais, on est pas mal. Bon, site de fouille impériale, on n'a toujours pas le secret, mais... On retrouvera probablement l'occasion. Ok, je dois pouvoir descendre par là, casse-toi la mouche. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Ah bah là, j'avoue qu'il a... Tu nous as rapproché du tombeau. J'avoue que là, BD, tu gères la fougère, hein. Oh, puis nice. Ah, on est au tombeau de Mictrul. 4 coffres et 2 secrets à trouver. Et attends, on devait trouver 3 tombeaux. On est au deuxième. Deuxième tombeau sur 3. Bon, je suis quand même un peu renseigné en termes de longueur d'histoire et tout. Il y a 6 chapitres en tout. On est en train de finir le 3ème. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura terminé le tombeau, on sera à la moitié du jeu.
Comprenez pourquoi je veux laisser tomber le 100%, parce que si je le fais en plus de tout ça, ça va un peu empiéter sur Hyrule Warriors. Alors après, peut-être que je peux négocier, mais vu que j'ai vraiment prévu de bourrer pour Hyrule Warriors... Je pense que je ferai le 100% de mon côté en off ou... Je sais pas, peut-être en stream à l'occasion si ça vous tente. Mais je préfère que ce sera juste un stream fouille. Hein. Différent. Ah, faut encore stream, je sais pas trop. J'en sais rien. Non, quelque chose que je vais faire de mon côté. Ouais, on va pas s'endetter. Nouvel objectif ajouté à l'holocarte. Explorer le tombeau de Mictrul. Ou Mictrul. On doit atteindre un objectif qui est apparemment au niveau au-dessus. Apparemment, c'est là-bas qu'il y aurait ce truc. Bien, bah écoutez... Oh, du parcours à l'ancienne. Oub. C'est bien ça, le parcours. Je l'ai trouvé. Mais... Serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi... Comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la... Bah t'as un ticket, poteau. Le piratage de transmission codée a toujours été un de ses passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serré que je n'ai pas perfectionnée. Voilà. L'origine de la deuxième sœur. Alors, voilà. Chapitre 3, partie 3, l'origine de la deuxième sœur. L'Empire approchait effectivement du tombeau de Mictrul, mais à son arrivée sur Zepho, Cal tomba dans un piège de la deuxième sœur. Il s'agissait en réalité de Trilla, l'ancienne padawan de Serré. Après un combat périlleux, Trilla semblait avoir pris l'avantage sur Cal. Mais avant qu'elle ne puisse lui infliger le coup de grâce, BD1 intervint en générant un champ laser impénétrable entre eux. Dans sa fuite au cœur du tombeau de Mictrul, Cal tenta de contacter Serré, mais sa communication avait été piratée par Trilla. Voilà. En gros, là, on est dans le dernier quart du chapitre 3. Et si je regarde au niveau des données par rapport à la quête, techniquement, chapitre 2, il nous manque un truc. Mais on a fait, je dirais, le plus important si on est passé au chapitre 3. Donc concrètement, là, on approche de la... On doit être à genre 45% du jeu terminé, quelque chose comme ça. Après, même si on peut revenir en arrière pour... Je me demande si je pourrais pas genre, faire une sauvegarde supplémentaire pour revenir faire loot. Après, peut-être une fois qu'on a fini le jeu, je me dis hey, t'as pas fait 100%, vas-y, va explorer, copain. Bah, j'irai explorer, copain. Alors, non, j'irai pas explorer un copain parce que je pense pas qu'il soit d'accord. Enfin, bref. Salut. Bonjour, comment ça va? Le gardien de tombeau, je me souviens un peu comment il fonctionne. Hop. Aïe. Je peux t'y renvoyer les bouboules. Aïe. Un petit Steam des familles BD. Steam. Ok, on l'a presque tatané. C'est bon. Comment tu chatouilles, Jean-Michel? Là, je peux faire une poussée de la force. C'est le seul endroit où je pouvais passer? Ah bah figurez-vous que oui. Pas mal d'eau là dans le coin. Ah bah oui, effectivement. Oh, si joli. Ok, donc une salle verrouillée à gauche. En gros, là, je... Attends. Ah oui, là, effectivement, avec une poussée de la force, je peux passer. Là, par contre, c'est verrouillé. On va regarder un peu s'il n'y a pas quelque chose dans les environs vite fait. Ok, là, faut probablement mettre une boule quelque part pour activer un truc. Très bien. Et puis, la seule boule qu'on a, elle est pas en très très bon état, malheureusement. Ouais, on est d'accord qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Ok, bah, je pense que j'ai passé par le passage que j'ai découvert. En tout cas, l'environnement est assez joli là-haut. Alors déjà, un truc avec lequel je peux interagir, mais... Attends. Oui, vas-y, je t'en prie. Regardons ça. Qu'est-ce que c'est? Mon ami, aimant. Il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Ah, attends. Voyage de Cordova. Archive 2, Mictrul. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il disait? Plus qu'un simple tombeau, c'est un temple érigé à la gloire d'un souverain. J'y ai trouvé plusieurs glyphes reprenant le même mot Astrium, toujours près de statues brisées. Je pense que l'Astrium était autrefois un symbole sacré répandu, peut-être même lié au sanctuaire. D'accord. Ok, ça marche. Et bon, on va interagir avec ce machin. Je comprends pourquoi ça marchait pas. Je comprends pourquoi ça ne marchait pas. Un point de méditation, je prends. On va recharger tout ça, puisqu'après tout, on a un nouveau point de sauvegarde. Il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Ok, puis là, on va devoir faire un petit peu de grimpette, mon petit mec. Tu n'as plus beaucoup de temps. De temps pourquoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ces efforts. Peut-être au point de cacher l'holocron parmi leurs dépôts. Allez. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Je peux pas l'atteindre. Ouais, parce que vous avez des gros boulets, attends. Je crois que je vais arrêter là. On te vaincra. Le sujet pas de trop près. Ouais, sauf que vous êtes des énormes pimpons. Allez, ouais. J'en ai déjà eu un, j'en ai plus. Viens te battre, espèce de lâche. Tu les as tous tués. Bah ouais. Quoi, tu croyais que j'ai... Tu croyais que j'ai été épargné? Ah, attends. J'ai un peu l'impression d'avoir loupé quelque chose, là. Il y avait un truc qui descendait. Soit, attends, l'objectif... Ok, il y a plusieurs trucs que je peux activer là-bas. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Nouveau gardien de tombeau. C'est bizarre comme vous me calculez même pas. Ah, d'accord, tu as juste un coffre aussi, très bien. Boum. Il y a encore un truc caché là. Bouge, bouge. Donc on se tient loin des ondes de choc si possible. Attends. Il va falloir que je te neutralise un petit peu. Toi. Et tu penses merde. Bouge. Bouge. Et voilà le travail. C'est quand même des sacrées lopettes, hein, les gardiens de tombeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vas-y, pirate, je t'en prie. Eh, vas-y, pirate. On prend le coffre, on prend les cotons à côté. Voilà, comme ça c'est fait. On a bien fait de venir. Il y avait de l'action. Et on a trouvé matière grise. Ah, ils ont fait le jeu de mots. Ouais, c'est pas ouf, je trouve. Hein. C'est ça, matière grise. Ouais, c'est pas ouf. Et ressentons les coups. Une relique des Effaux. Je ressens une grande vanité et de l'extravagance dans cette période de leur histoire. L'âge de l'extravagance. Une relique Zepho issue d'un âge symbolisé par la vanité, l'extravagance et le pouvoir. Très bien. Ben voilà, on a récupéré un petit truc et maintenant on va s'occuper de la grande salle. Alors, donc on avait vu qu'il y avait une issue quelque part par là. Alors déjà, il y avait ce machin là. Qu'est-ce que ça fait? Ok. C'était la salle qui était ouverte. Non, ça c'est une sortie. Il y a plusieurs trucs qui sont disponibles. Genre si je vais par là, avec une petite poussée de la force, il doit y avoir moyen de moyenner. Là, ici. Ah, il y a un écho de force ici, mais il faut activer un mécanisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attends. Voilà. Couché. Bah, évitez de m'interrompre pendant que je réfléchis. Merci. Voilà. Steam BD. Et là, apparemment, il me manque un truc pour pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'apparemment, sur la map, c'est. Ouais, tout ça, c'est rouge. Ok. Bon, au moins on va dire que le passage est ouvert. Il y a d'autres passages là, à ce niveau-là?
Non, un peu plus loin, il a l'air d'en avoir un autre. Ah, qu'est-ce que t'as repéré? Vas-y. Cierge. L'offrande la plus souvent apportée au tombeau de Mictrul était le cierge, généralement fixé dans du métal et serti de gravure. Sa flamme représenterait le pouvoir sans limite de Mictrul. Ok. Ah, ici. Et ben voilà, un deuxième coffre. Ah, il y a un truc à scanner aussi. On y va. T'inquiète, poteau, je l'ai scanné. D'abord, je récupère juste. Voyons ce que t'as trouvé. Minerai haïtien. Pour le sabre laser. Le sage Mictrul. J'ai fait une découverte troublante. D'accord. Alors, mon ami, j'ai fait une découverte. Oh, Mictrul, d'accord, archi. Okay. Alors, mon ami, j'ai fait une découverte troublante. Il semble que ces cierges étaient des offrandes déposées ici en l'honneur du sage Mictrul. Je les ai d'abord cru destinées au souffle de vie, mais plus je m'enfonce dans ce tombeau, moins je trouve d'indices en ce sens. Cependant, il demeure un présent qui m'intrigue. Des statues de Zepho qui tiennent comme des sortes d'objets sphériques. Bien que ce tombeau soit conservé, elles ont toutes été détruites. Un puzzle intéressant. Tout à fait. Alors. Donc je pense très sincèrement. D'accord. Il y a une espèce de truc qui... Attends. Et si je réactivais ce machin-là? Très bien. Parce que maintenant, je vais pouvoir pousser ça et m'en servir comme marche. Pour atteindre cet endroit. Quelque chose d'intéressant. On a combien là? 35%, deux coffres sur 4, on n'a aucun des deux secrets. Allez, vas-y, je me fais le gardien. Oh putain, comment il m'enchaîne. BD, j'ai besoin d'aide. Moi, ouais, mes idées brillantes, hein. Là, je me demande si je me laisserai pas crever. Oh shit. Ouais. Je reprends où? Parce que ça, ça peut être un problème d'ordre problématique, ça me boigne. Bon, après, ça qui est bien, c'est que la plupart des trucs sont plus ou moins déjà faits. J'ai juste à... J'ai pas grand-chose de plus à faire, en théorie. En théorie. Quand tu veux. Ah, parce que bon, lui, je vais devoir aller le retaper parce qu'il a un peu des choses qui m'intéressent en termes de, bah, du genre, il a mon XP, ma force, ma santé, cette espèce de pimpon des îles, là, je vais lui apprendre, hein. Je vais lui mettre un petit coup de boule rotatif. Ah non, mais je me suis fait enchaîner, oh, autant. Ça va, c'est pas très loin. J'ai, ouais, ça va, j'ai très peu de chemin à faire pour y aller. J'aurai peut-être juste 2-3 Stormtroopers à retataner. Attends. Faut que je revienne ici. Bon, de toute façon, ceux qui étaient ouverts le sont encore. Coco. À la vue, au-dessus. Faites attention à vous. Battez-vous, tu n'as pas de lâche. Cliquez, bande de salopes. Oh non, c'était notre dernier tireur. J'ai compris. Tu n'emporteras pas. C'est des preuves. La cible se déplace. Voilà. Vous êtes tous des énormes caca. Bon, maintenant c'est pas tout, mais j'ai des trucs à récupérer. Ah, Jean-Michel. Voilà. Un, deux, trois, on bouge. Une grosse frappe. Un, deux, on bouge. Merde, ah, c'est pas beaucoup. Allez. Je peux te finir? Voilà, c'est ça que je voulais tout à l'heure. Voilà. Oh,
Attends, c'est un écho de force ou un point de... En train de me dire qu'il y avait un point de méditation à 2 mètres de plus. Il y avait un point de méditation 2 mètres plus loin. Il y avait donc un point de méditation 2 mètres plus loin. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix pour la suite de la progression, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a Jonal. Le truc qui est au-dessus, je peux pas y aller parce qu'il y avait des... cette espèce de ronce magique. Là, je peux commencer à grimper, mais j'irai pas jusqu'en haut. Donc, selon toute logique, c'est de ce côté-là. On réussira jamais à passer ce gouffre. On fait demi-tour et on prévient les squads. Ok. Jedi ! Putain, et bien sûr, là derrière, il y a un coffre. À la limite, si on l'active, le machin, il y a peut-être moyen de moyenner. Hein. Y a quelqu'un par là ? Hop. Hop. Hey ! Tac, tac. On est pas mal, là. Attends, je suis où ? Ok, je pense que je vais devoir passer par là-bas. Donc du coup, le truc qui est tout là-haut, je pense que je vais l'oublier temporairement. Allez. Oui, je me balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Quand on se balance, on a vraiment l'air con. On peut que descendre. C'est safe ? Ouais, comme ça, là, c'est safe. Attends. Allez, viens dès là. J'aime utiliser l'environnement. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe. Qui s'en bat les couilles ? Tu as peur de m'affronter toi-même ? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Ouais, c'est cela, oui. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. Ok. On avance plutôt pas mal, j'ai envie de dire. J'ai envie de les laisser se bastonner entre eux et d'arriver et de prendre le gagnant. Ça fait quoi si j'active ce truc ? D'accord. Ah, ça fait des trucs pour que je puisse passer, c'est bien ça. Vas-y, viens. J'adore ce truc, punaise. Ça changera jamais. C'est tellement beau. Ouais, comme vous êtes fait bolosser, moi j'arrive et je prends le gagnant. Tu m'auras pas. Waouh, t'as tenu plus d'un tir, espèce de débilus. Voilà. Alors. Techniquement, je. Eh, pas sûr d'avoir la. Je vais tenter, mais je peux pas sûr d'avoir la portée. Spoiler alert. Je n'ai pas la portée. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce que je peux courir sur le mur là? Non. À mon avis, hein, quelque chose me dit que je vais devoir aller sur ce truc-là. Oui ! Tu ne t'en sortiras pas vivant. Oh putain, un purge trooper. Vous voulez vraiment me faire affronter un purge trooper ici, les gars ? Il suffit de demander, hein, moi je vais lui péter la gueule à ton purge trooper. Je prendrai ta vie, Jedi. Ah, viens te battre ! Ok. Je ne peux pas échouer. Bah si, t'as échoué comme une grosse merde. Alors là, mais tu t'es fait bolosser la gueule. Mais d'une violence, mec. Ah, d'accord. En fait, c'est intéressant, on va devoir passer à chaque fois avec ces mécanismes. C'est bien foutu. Et puis on a une suite qui est pas très loin. Et je vous avoue que j'aimerais bien commencer à envisager de trouver un point de méditation pour m'arrêter là. Je suis aussi en train de voir au niveau de l'heure, je vais pas tarder à streamer là au jour où j'enregistre. Bon, je commence à streamer d'ici genre une demi-heure. Bon, je m'en fais pas plus que ça, mais je me dis tout de même. Oh, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. T'apprendras à m'attaquer par surprise, espèce de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Attends. J'ai vraiment pas récupéré ce truc-là? Mais si, je peux. Pourquoi je peux pas? Bah attends. Est-ce que ce serait pas un truc à faire par au-dessus? Eh, wait a sec. Il y a
moyen d'aller au-dessus au moins? Non, parce que bon, la grosse essence qui est là, elle m'intéresse étrangement. Je la voudrais bien pour ma collection. Y'a rien qui passe, hein. Bon. Bah écoutez, on reviendra. Enfin, je reviendrai. Pas en let's play, malheureusement, mais je reviendrai. Alors. Qu'est-ce qui est disponible? Ah bah y'a ça qui est disponible. Par en dessous? Y'a rien ici. T'es sûr que c'est par là que je dois aller? Attends. J'ai une idée à la con, mais... Je sais comment je vais gérer la chose. Reviens ici, toi. Normalement, si c'est bleu, je dois pouvoir la ralentir. Voilà. Je m'accroche. Oh! Oh, c'était ça! Oh, c'est beau! Oui! Je suis fier de moi. Touché. Alors, il y a quelque chose par là, mais il y a aussi quelque chose de ce... Attends. Est-ce que ce serait pas comme ça qu'on atteindrait l'essence? Pas l'impression. Ou alors, il me manque une capacité. Je vais pas tenter le diable. Je vais pas tenter le diable. Pas tout de suite, en tout cas. Et on a quand même exploré le tombeau à moitié. Ça va, on avance bien. On avance bien. Ah ça va, j'ai eu peur que ça passe pas, mais non, normalement c'est bon. Il n'y a pas un Stormtrooper ici? C'est ce que je disais, il n'y avait pas un Stormtrooper ici. Ok, bah, course Neural Time. Oh, attends. Boom! Et ça me file un point de skill. Oh, c'est beau. Avoir un point de skill sur un truc badass comme ça. Ah, moi je le dis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, où on en est? Les 51, on s'est toujours dans cette direction. Quelque chose d'intéressant par là? Ah oui, il y a tout un tas de rien du tout, figurez-vous. Une bestiole. Vas-y, te bourre. T'es en train de me dire que le machin m'a buté? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Putain, il lui restait un fucking pixel de vie au truc. Et le mec, il arrive, vas-y, je te bolosse, bitch. Bon bah ça, c'est parce que je me l'ai supété tout à l'heure, on est d'accord. J'ai genre le seum, mais comme ça. C'est genre un mini seum, un seumouné. Une seminette. Ah, franchement, c'est... un petit goût amer là, quelque part par ici. Mais bon, je me suis fait eu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Attends, je reprends là. Vous savez quoi? Moi, je voulais un point de méditation. Je vais juste me mettre là pour que ça fasse la sauvegarde. Et limite, ce que je peux essayer de... Non, ce que je peux essayer de faire, c'est quand on commencera le prochain épisode, j'essaierai de reprendre près de la bestiole, histoire qu'on refasse pas tout d'un coup. Du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui, les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Fallen Order. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la petite cloche de notification, ça fait plaisir. Les moments épiques, les failles, les hashtags associés. Vous connaissez les musiques, n'oubliez pas non plus d'aller jeter à la chaîne de VOD, dont là se trouve plus bas en description. Et en attendant de probablement terminer l'exploration du tombeau de Mictrul, et ben je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas et que la force soit avec vous.